Salut les amis du web. Aujourd'hui, un petit coup de cœur sur un des groupes qui a marqué la New Wave britannique. J'ai nommé ce groupe mythique des années 80, Simple Minds, bon, qui vient de sortir à l'occasion de leurs 40 ans d'existence depuis Life in a Day, qui ont sorti donc ces compilations live et aussi de singles. Et oui, beaucoup de chemin parcouru depuis Life in a Day en 1979, bien que ce groupe écossais de Glasgow ait été fondé par Jim Kerr en 1977, si mes souvenirs sont bons. Et bon, il y a eu pas mal de défections, hein, parce que vous voyez, les membres, donc, j'ai pris ça sur Wikipédia, voilà. Si vous le voyez, oui, il y a eu pas mal de défections, surtout au début des années 80. Voilà. Et donc, depuis Life in a Day de 79, mais en fait avec des enregistrements, des partitions de 1978. Donc, en fait, ce groupe a un peu plus de 40 ans. Et on va déjà commencer par les 40 ans, le best-of qui vient de sortir chez... c'est pas BMG, ah oui, UMC, toujours pareil, Universal. Donc très très belle compile avec tout ça dessus. En dessus, on retrouve I Travel, Love Song, Promise You a Miracle, Glittering Prize, Someone Somewhere in Summertime, Waterfront, Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Sanctify Yourself. Belfast, The Child, Mandela Day, See the Lights, Hypnotize, là on est dans les années 80 pour tout ce que je vous ai dit. Stars Will Lead the Way, Honest Stone, Sense of Discovery, For One Night Only, ça ce sont des titres plus récents, enfin si je puis dire, qui ne sont pas des années 80, voilà, postérieurs aux années 80. Alors on va déjà l'ouvrir, il s'agit d'un gatefold, donc n'ayons pas peur des mots. On y va. C'est une édition toute bête, hein, toute noire, qu'on trouve facilement. Voilà. Et évidemment, on a les picture discs et pochettes des singles de Simple Minds que je vous ai cités, avec un très joli cœur. On retrouve le macaron de l'album Sons and Fascination. Et puis de l'album 1984 aussi, ses logos. Alors voilà. Donc tout bête, hein, avec un petit peu de poussière en prime. Voilà. Qu'on peut dire sur cet album. Le second disque. Là, on retrouve la pochette du dernier album et des avant-derniers albums. Très joli macaron là, celui-ci. Voilà, donc bon, il y a l'essentiel de Simple Minds avec quand même quatre titres sur les derniers albums, mais surtout on se concentre sur les années 80. Et alors, ça vient de la FNAC en nouveauté d'octobre. Alors, The Live Recordings of Classic Tracks, Limited Edition, il y a un livre. Donc, en édition limitée. Alors, ça, c'est BMG, oui. BMG qui a sorti ça en 2019, en octobre 2019, sans nouveauté, prix vert de la FNAC, parce qu'autrement, le prix officiel est trop élevé. Était trop élevé. Voilà, donc on va ouvrir cette compilation de live. Il faut. Voilà. Alors, on a donc ces titres-ci en live, bien évidemment. Donc, Waterfront Love Song, Let There Be Love, Up on the Catwalk, The Signal and the Noise, The Sense of Discovery, Glittering Prize, Promise You a Miracle, The American, The Hunter and the Haunted, Haunted, Haunted,
Stand by Love, Dirty Old Town. Ils intercalent un petit peu des titres plus récents avec des titres plus anciens. Time for God Cities, She's a River, Walk Between Worlds, Hypnotized, Someone, Somewhere in Summertime, See the Lights, All the Things She Said, le titre de 85, Dolphins, Don't You Forget About Me, de 85, New Gold Dream de 84, pas 84, de 82, mais sorti sur l'album 81, 82, 83, 84, Once Upon a Time, Alive and Kicking, Sanctify Yourself, donc principalement toujours les meilleurs titres des années 80 avec intercalés, donc des titres plus récents. Alors on va déjà ouvrir ce magnifique disque. Hein. Donc c'est un disque live sorti pour les 40 ans du groupe écossais de Glasgow, britannique. Enfin, moi je dis anglo-écossais parce qu'il y a eu pas mal de va-et-vient dans ce groupe de Glasgow. Mais c'est vrai que les principaux chanteurs, dont Jim Kerr, sont restés jusqu'au bout, heureusement. Alors, très beau macaron. Très beau macaron, ici. Donc je vous le remontre parce que c'est vraiment magnifique. Regardez ça, vraiment beau. Et second, je pense qu'il n'y a que de disques. Alors on avait un livre. Alors, il y a trois disques en fait. Allez, comment on continue. Disque numéro 2. Très joli macaron. Hein. Regardez ça. Très 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 joli macaron. Donc. Et ensuite, on a donc le troisième disque. Super macaron, hein. Vraiment bien soigné. Donc, Trifold, et on a le livret, alors annoncé sur le sticker, ici. Limited Edition Book. Limited Edition Book ici. Alors, je suis à la recherche du livre. Alors, il n'y a rien ici, rien ici. Ça reste une farce. Bon, bah, en fait, c'est ce système, quoi. Voilà. En fait, c'est ce système. Alors, je croyais qu'il y avait un petit livret à l'intérieur, mais en fait, c'est ce système-là. Voilà. Voilà, ça fait comme une sorte de livre sur le live. Et voici donc les crédits. Là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ici c'est mieux. Ici c'est mieux. Donc, pas assez belle édition, donc, avec tous ces volets intérieurs. Donc, sous forme d'un livret. Voilà. Eh bien, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Simple Minds. Hein. Je vous invite à revoir ou à voir la vidéo que j'avais faite sur ce groupe mythique et un des groupes piliers de la New Wave britannique, donc des années 80. Et incontournable, je dirais, peut-être le meilleur. Hein. On se demande si c'est pas Depeche Mode ou Simple Minds ou Simple Minds ou Depeche Mode. Voilà. Il y a deux groupes à retenir vraiment de cette période New Wave, c'est Depeche Mode et Simple Minds. Si vous ne les avez pas encore écoutés, faites-le. Tout est bon, tout est excellent, ces deux groupes. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner surtout. J'ai dépassé largement les 300 abonnés. Il faut un début à tout. Hein. Et voilà, donc la chaîne suit son petit bonhomme de chemin. Et à tout de suite pour une prochaine vidéo.